Invoquer le destin en guise d'excuse. C'est la capacité de l'homme à agir et à choisir volontairement qui fait qu'il est concerné par le discours du législateur fait d'obligation et d'interdit. C'est ce qui justifie que la personne qui fait le bien est récompensée parce qu'elle a choisi le droit chemin et que celle qui fait le mal est punie du fait d'avoir emprunté volontairement la voie de l'égarement. Allah, qu'il soit exalté, ne nous impose que ce que nous pouvons supporter et il n'accepte pas que quelqu'un abandonne son adoration en prétextant le destin. De plus, avant de commettre son péché, l'homme ne connaît pas à l'avance le décret divin afin de l'invoquer comme excuse pour ce qu'il va faire. Or, Allah l'a doté d'une capacité de choix et d'action et lui a montré clairement les voies du bien et du mal. S'il désobéit, il est réellement celui qui a choisi la désobéissance. C'est lui qui l'a préféré à l'obéissance. Il doit alors assumer la peine attachée à sa faute. Si quelqu'un t'agresse, te confisque ton argent et te fait du mal, puis se justifie en disant que cela lui a été dicté par le destin, certainement tu n'accepteras pas cette excuse futile et tu le puniras après avoir récupéré ce qui t'appartient. En effet, il a commis cela délibérément de sa propre volonté.